Bonjour. Donc, soyez les bienvenus sur la chaîne Algo Programmation Première Année Technologie. Donc, ici, nous allons continuer sur la petite application sur les vecteurs. Donc, la façon comment faire une petite application en utilisant le Free Pascal, langage Pascal avec l'éditeur Free Pascal. Donc, nous avons vu pas mal de concepts. Donc, nous sommes arrivés à la partie fichier, comment enregistrer le vecteur dans un fichier. Donc, dans la dernière séquence vidéo, nous avons enregistré le vecteur dans un fichier texte. Donc, dans cette séquence vidéo, nous allons passer à l'enregistrement des vecteurs sur les fichiers typés c'est-à-dire type of, le file of, pardon. File of réel, file of enregistrement, etc. Donc, avant de faire ça, on va continuer sur la version 5 pour ajouter la partie des traitements, des erreurs, donc des entrées-sorties, si le fichier n'existe pas. Donc, il faut créer un fichier vide et il faut initialiser le vecteur à zéro, c'est-à-dire la taille zéro, il n'a aucune valeur. Donc, ici, c'est les unités non standard, les unités personnelles, on peut dire, personnalisées. Personnalisé ou bien des unités créées par le développeur. Ou bien par le programmeur, on peut dire par le programmeur. Voilà. Très bien. Donc ici, on va ajouter. Donc nous avons fait au niveau du vecteur les opérations qui permettent d'ouvrir un fichier. Donc le problème ici qu'on peut voir, donc c'est si on va se mettre sur la version numéro 5, ici, la version. Donc ça, c'est pas ça. Donc je vais ouvrir le Borland Pascal, le chemin du Free Pascal, la version 5. Voilà. Ici, si le fichier n'existe pas, on va avoir une erreur. Pourquoi? Puisque par défaut, il essaye de l'ouvrir directement sans tester. Donc j'exécute. Du coup, vous allez avoir un problème. Voilà, un problème exit code 2. Donc pourquoi? Puisque nous n'avons pas testé si le fichier existe. Donc si je renomme le fichier normal, et il n'y a pas de problème. Ok, voilà ici. Alors, c'est quoi le problème? Donc c'est la version 5. Je suis en la version 5. Oui, donc. Il y avait un problème, je sais pas, TXT, ce vecteur TXT, je pense que c'est comme ça. Alors j'ai fait une erreur, je vais vérifier, je reviens en arrière. Ok, je vais voir où, donc je vais ouvrir l'unité vecteur où il y a le ouvrir fichier vecteur. Voilà, la procédure ici, elle est définie ici. Ouvrir fichier vecteur, c'est l'en-tête de la procédure. Donc son programme ou bien son code, il est à la fin. Donc c'est correct, c'est vecteur.txt. Alors c'est quoi le problème ici? Alors, vecteur.txt, c'était bien. Alors, c'est recette, oui. Alors j'ai fait une erreur. Tout est bien, apparemment tout est bien. Je vais ouvrir le fichier. 4, après les valeurs, voilà. Normalement, pas de problème. Alors. Oui, il y a le problème. Pourquoi il ne trouve pas le fichier? Je vais faire ouvrir une autre fois. Alors, on va voir pourquoi. Donc, je ne suis pas assuré. Très bien. Alors, j'ouvre le vecteur. Ça, c'est le nom du fichier, vecteur.txt. Alors, c'est quoi le problème ici? Je compile, pas de problème. Alors, voilà, maintenant ça marche. Très bien, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, il a récupéré le vecteur. Donc ici, comment traiter les cas d'erreur? Donc on va essayer de causer un cas d'erreur sans supprimer le vecteur. On va renommer le vecteur tout simplement ici. Voilà, on va avoir l'heure. Donc ici, au niveau du programme, ici, au niveau de, pardon, au niveau du vecteur. Donc ici, on va faire, voilà, ici, on va essayer de faire ce que nous appelons les directives de compilation. Voilà, quelque chose comme ça. I moins. Après, il faut, s'il y a une erreur, donc ici, si au niveau de reset, il faut avoir l'erreur. Code erreur. Code erreur reçoit EO
et au result. Voilà. Et au result, ça indique soit il y a une erreur, soit il y a non. Si égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, ça va être une erreur d'entrée et de sortie. Et la valeur de l'erreur indique c'est quoi cette erreur. Ça ne nous intéresse pas la valeur en elle-même. Donc, vous pouvez vérifier le fichier du code des erreurs. Donc, je l'ai partagé au niveau de la solution des exercices ici. Si vous prenez la version 5, je pense que j'ai partagé les codes d'erreur. Voilà, ici. Donc, où j'ai partagé le code d'erreur? La version 4, apparemment. Ou bien si le cours, au niveau du cours. Voilà, c'est au niveau du cours finalement. Pardon. Alors, ici, algo, voilà, fichier. Vous allez trouver ici les codes d'erreur. J'ai partagé ça au niveau de. Donc, ici, l'erreur, c'est index. L'erreur 2, ça veut dire file not found, fichier non trouvé. Donc, ça, c'est parmi quelques erreurs d'entrée et sortie, d'autres erreurs, des codes d'erreur d'exécution qui peuvent se produire pendant l'exécution du programme. Donc, vous trouvez au niveau de la description. Très bien. Donc, ici, on va. C'est le code d'erreur égal. If code erreur égale différent de 0, c'est-à-dire il y a une erreur. Ici, il y a une erreur. Donc, then. Donc, ici, je vais faire else. Dans le cas de else, on va travailler. Donc, ici, donc une idée ici, c'est quoi? C'est que dans tous les cas, on va initialiser t à taille à 0. C'est-à-dire il n'y a pas de fichier. Voilà. Très bien. Et on ne fait rien du tout, en réalité. Donc, du coup, ici, dans le cas de else, on va lire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un traitement très difficile à faire. Donc, il y a deux cas. Soit il y a une erreur, il n'y a pas de fichier, donc on va initialiser la taille du fichier à 0. Sinon, le else, sinon, on va lire à partir du fichier la taille du vecteur. Voilà. Après ça va dépendre de la taille. Donc, à la fin, c'est close F. Donc, je pense le close F, il doit être fait uniquement si le fichier existe. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, on va remettre la vérification des. Je suppose c'est comme ça si je n'ai pas fait d'erreur. Ici, if code error égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, dans ce cas-là, on va fermer le fichier. Voilà. Alors, code error, je ne l'ai pas déclaré, c'est vrai. Donc, ici, il faut déclarer code error, c'est entier. Voilà. Donc, je suppose que c'est ça le problème. Donc, du coup, ici, même si le fichier n'existe pas, il sera exécuté. Sauf que le vecteur, il est vide. Donc, ça ne nous intéresse pas si le fichier existe ou bien n'existe pas. Donc, je peux créer un vecteur. Je vais réinitialiser un vecteur. Je vais donner la taille 3. Je vais donner des valeurs 12, 15 et moins 88. Donc, voilà. Maintenant, je vais sauvegarder le vecteur. Très bien. Donc, du coup, vous allez avoir le fichier vecteur.txt. Donc, si je quitte l'application et je reviens, donc ici c'est les valeurs 12, 15, moins 88, je reviens, je réexécute, on va trouver les mêmes valeurs. Okay? Donc, même si on quitte, on revient, on va trouver les mêmes valeurs sur le même fichier. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout d'abord, je vais mettre à jour la version numéro 5, après on passe à la version numéro 6. Donc, ici, je reviens ici. Donc, exercice, quelque chose comme ça, résumé de cours, exercice, la version numéro 6, la version numéro 5, pardon. Voilà. Et du coup, je vais faire coller, écraser. Toujours écraser. Voilà. Ici, nous avons réalisé la version numéro 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va passer à la version numéro 6 de l'application. Donc, je vais copier le code de la version numéro 5. Avec le vecteur, le fichier vecteur, et je crée un dossier, je vais copier-coller tout le dossier vecteur 5, version 5, pardon. Voilà, copier off. Et ici, je vais faire 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire type ici, voilà, pour supprimer tous les fichiers, sauf les deux fichiers texte. Aussi. Donc, fichier pampa, c'est le fichier texte. Et comme ça, on est dans la version 6. On va modifier le code. Donc, je vais fermer tous les programmes et je vais faire ouvrir. Je reviens en arrière et ici, je vais mettre à la version 6. Voilà, la version 6, c'est celle-là. Donc, comment vérifier? On peut venir ici. Voilà, ici, vous voyez version 6. J'entre à l'intérieur, j'ouvre le programme. Donc, une façon pour vérifier, si je compile l'application,
Si je compile ici l'application, du coup, on va avoir on va avoir des fichiers binaires qui seront générés ici. Donc ça, on l'a vu déjà. Donc je compile avec la touche F9, build. Donc du coup, vous allez avoir tous les fichiers .exe, etc., qui sont créés. Très bien. Donc avant de partir, avant de faire le programme, juste je vais vérifier est-ce que j'ai ajouté ici la vérification des clés. Voilà, ici, voilà, c'est très bien. C'est ici que nous avons fait la vérification des erreurs. Très bien. Donc on continue. Donc ça, je vais laisser après. Maintenant, on continue. Sur la dernière version de ce programme pour le moment. Après, on va faire une autre version en utilisant les pointeurs. Donc après avoir présenté les pointeurs. Donc je vais essayer pour les pointeurs, les listes chaînées, etc., les structures de données, les pointeurs tout d'abord, après les listes structures de données. Je vais essayer de les faire rapidement, le plus tôt possible. Donc soit demain, inchallah, samedi, ou bien inchallah, le dimanche, au plus tard, inchallah, s'il n'y a pas d'empêchement, s'il n'y a pas de quelque chose d'imprévu. Donc voilà. Maintenant on va réaliser la même chose, le même programme. Donc côté interface, il n'y a aucun changement qu'on va faire. On va réaliser le même programme, sauf que cette fois-ci on veut enregistrer sur un fichier non textuel, sur un fichier comment dirais-je typé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la partie où il y a le traitement des fichiers. Donc je vais faire F3 pour ouvrir et l'unité vecteur. Vecteur, c'est une unité qui a été développée par nous, bien sûr, par le programmeur, pour rendre le programme modulaire. Au lieu d'avoir tous les fichiers, tout le code source dans un seul fichier, point passe, ici vous remarquez, il y a 263 lignes. Dans le programme, il y a 104, 100, 112, 119 lignes. Et dans IHM, il y a quelques lignes aussi. Et il y a 300, presque 400 lignes, donc 396. Donc si vous faites la somme, ça va être autour de 700, 800 lignes. Donc ça, c'est pas bien de mettre tout le code dans un seul fichier. Donc ça, on a vu, la modularité, c'est un concept très important dans la programmation, dans la structuration du code. Donc vous remarquez, je me suis directement placé sur le vecteur.h, puisque c'est ici qu'il y a l'enregistrement et le... Comment dirais-je, l'enregistrement et la lecture du programme, des données, c'est-à-dire les vecteurs. Donc ici, on va changer, on ne va pas écrire ce forme textuelle. Donc du coup, on va laisser ce truc de code d'erreur, c'est très important. Donc ici, on va faire vecteur point, soi-disant, date. Date, ça veut dire data ou bien point data, on va faire point data. Et ici, bien sûr, ça c'est concernant l'ouverture, ça c'est concernant l'écriture. Donc on va commencer par la sauvegarde. Ici on va écrire type of. Donc file F c'est un type of. Donc vecteur réel, on va changer le type. Ce n'est plus texte. Vecteur réel, le type. Ça c'est le type du vecteur réel. Alors le fichier, on a fait F text, voilà. C'est à l'intérieur. C'est interne. Donc ici on va faire file of. File of real. Donc on va enregistrer dans un file of real et on va lire à partir de file of real. Donc ici c'est save. Donc sauvegarder, on va enregistrer dans file of real. Par contre ici on va lire à partir de file of real. Donc ici on va faire ça. Donc ici il n'y a plus de write-ln, il y a directement de write. Donc la première chose, on va écrire la taille. Donc sachant que la taille c'est un entier, mais ça dérange pas, l'entier peut être écrit sous forme de réel. Maintenant l'inverse, on va voir comment faire. Il faut convertir un réel en type entier. Je sais pas comment on va faire, on va voir comment faire. Donc for i au soit write, etc. Après il n'y a pas d'espace, il faut pas faire d'espace. Donc c'est ça la différence. Donc ici pour le moment pas de problème. Par contre, ici, il n'y a pas de readline dans le cas de file of real. Donc ici, c'est voilà, et ici, c'est read. Et ici, on va avoir un problème. Il n'y a pas readline. Voilà, comme ça. Je sais pas, est-ce que maintenant, il y aura une erreur. Je pense qu'il y aura une erreur au niveau du assignment. Alors. Voilà, oui, c'est ça le problème. Donc le problème ici, c'est au niveau de la taille. Pourquoi? Puisque la taille, c'est entier, alors qu'on doit lire la taille sous forme d'un réel. Donc ce qu'on va faire, on va déclarer quelque chose de réel ici, pour la taille.
et on va faire ici taille. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, bien sûr, c'est un problème ici. Donc, du coup, ici, on va faire taille reçoit 0. Ça sera mieux. Maintenant, on va travailler avec taille. Mais bien sûr, t.taille, il doit être mis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? T.taille. Donc, comment convertir un nombre réel en Pascal. Donc, on va ouvrir le Chrome, on va ouvrir le navigateur. Donc, c'est des détails techniques. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Des fois, à force de ne pas faire quelque chose ou bien de ne pas travailler avec une chose, on ne peut pas savoir comment faire les choses. Donc, on va faire ici Pascal convert real to integer. Okay. Donc, ça sera mieux de rechercher en anglais. How to convert it to integer via Stack Overflow Pascal. Donc, en général, le site Stack Overflow, c'est un site très merveilleux concernant les forums de discussion sur la programmation, donc dans différents langages. Donc, il est vraiment puissant, surtout en anglais. Donc, ici, on cherche l'astuce. Par exemple, on va utiliser celle-là, par exemple, round. On va tester directement sans poser beaucoup de questions. Voilà. On va voir est-ce que ça marche. Donc ici au niveau de la compilation ça marche. On va voir au niveau du travail est-ce que ça marche. Donc on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Save data. Voilà. Donc Kantron Unity. Donc je sauvegarde. Je passe à notre programme. J'exécute. Maintenant on ne travaille pas avec les fichiers texte. On travaille avec les fichiers data. Donc vous remarquez le fichier n'a pas été créé pour le moment, le fichier data. Donc j'actualise vector.data, ça n'existe pas. Donc je vais initialiser le vecteur. Alors je vais mettre 4 valeurs, je vais mettre 12, moins 55, 0 et 1, la quatrième valeur. Voilà les valeurs. Maintenant je vais sauvegarder. Dès que vous sauvegardez, normalement on doit avoir le fichier vector.data ici. Voilà, 1 kilooctet. Donc pour savoir est-ce que ça marche, je vais quitter. Maintenant, je rouvre le fichier et vous remarquez les mêmes valeurs. Donc ici, nous avons récupéré les valeurs qui ont été saisies dans le vecteur. Donc je vais ajouter une valeur ici au niveau de la RAM. Je vais ajouter la valeur 55. Voilà. Je vais l'ajouter à la fin. Donc je vais faire ici 10 pour qu'il l'ajoute à la fin. Une valeur plus grande que la taille 4. Donc il va l'ajouter à la fin 55. Si je n'enregistre pas, je quitte. Je vais faire quitter. Donc je n'ai pas enregistré. OK. Si je rouvre, je ne vais pas trouver 55. Vous remarquez, la taille 4, c'est une plus 5. Donc, on va faire un autre test. Ajouter un élément. On va ajouter aussi 55. Je vais l'ajouter à la première place. Voilà, ici. Maintenant, je sauvegarde avec la commande 8. Très bien, c'est sauvegardé. Je quitte. Je reviens, je trouve 55 puisqu'on a sauvegardé et la taille 5. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas vraiment de grosses modifications au niveau code source. Surtout que nous avons cerné la logique du code qui travaille avec les fichiers dans deux procédures. La procédure sauvegarder vecteur et la procédure ouvrir fichier au vecteur. Donc la version 5, on travaille avec fichier texte. Ici, elle travaille avec fichier type of. Ces fichiers typés, file of, et ici les données sont binaires. Donc l'inconvénient du fichier binaire, c'est que si vous ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte, par exemple, je vais l'ouvrir avec Sublime Text, d'accord, on va essayer de l'ouvrir avec Sublime Text, annuler, alors, vous allez voir quelque chose de binaire, on ne comprend pas. C'est pas comme les fichiers vecteurs textuels, ok, ici, on comprend. Ici, c'est la taille, et ici, c'est les valeurs du vecteur avec format virgule flottante. Donc, ici, je peux ajouter des valeurs avec espace. Par contre, ici, je ne peux pas ajouter des valeurs puisque c'est binaire. Donc, il faut savoir comment le Pascal organise file of real, ce fond binaire, pour pouvoir modifier. Donc, une autre question ici. Binaire, ici, c'est en hexadécimal. Donc, pour ne pas écrire binaire puisque c'est trop long, donc ici, on écrit hexadécimal. Donc, ici, si je prends ça. Donc ça c'est un octet, ça c'est 2 octets. Donc ça c'est 2 octets. Donc chaque chiffre c'est 4 bits. Donc 2 chiffres c'est 8 bits, c'est 1 octet. Donc 4 chiffres c'est 4 chiffres comme ça hexadécimal, c'est 2 octets. Donc 2 octets, 2 octets, etc. Ok, donc j'espère bien que vous avez compris la différence entre file of et texte.
fichier texte. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous n'hésitez pas. Donc, je vais laisser le code source au niveau du commentaire, un lien pour pouvoir télécharger le code source. Donc, c'est très important pour vous. Bon courage, travaillez bien. Donc, ici, je supprime les fichiers texte puisqu'ils ne sont pas intéressants dans cette version, la version 6. Par contre, ici, je vais mettre ça avec vecteur, ça, non, vecteur point date. De data, donc ça je vais le partager avec vous. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc prochainement, le plus tôt possible, demain ou bien le dimanche, inchallah, je vais mettre le cours sur les pointeurs. Après, on va intégrer les pointeurs pour représenter les vecteurs sous forme d'un pointeur. Donc les structures de données dynamiques pour la gestion dynamique de l'ARA. Donc bon courage et travaillez bien. Alors ici, c'est